D'abord, je suis un amant de l'histoire. Puis quand je vous dis que Ville-Jean-Cartier, c'était 15 000 acres de terrain, c'était grand. C'était du territoire, énormément de territoire. De notre côté, c'était asphalté avec trottoir, du côté de Longueuil. Du côté de Jean-Cartier, tu avais une petite bande d'asphalte, puis tu tombais dans les boues. Et c'est sûr que ceux qui faisaient la différence là, entre ceux de Jean-Cartier et Longueuil, c'est que quand ils venaient de Jean-Cartier, il y avait des souliers qui n'étaient pas prêts. T'as pas de trottoir. Je parle de la période avant 63. Bon, l'externa classique, moi, que je me souviens, il y avait un cinéma pour enfants. Dans le sol, qui était la chapelle, aujourd'hui, c'est peut-être un café étudiant. L'hôtel de ville, l'ex-hôtel de ville, de l'ex-ville de Jean-Cartier, qui a été construit en deux phases. Première phase, peut-être en 51-52, et la deuxième partie que vous voyez là, ici, à partir de ça, là, vers 61. Ici, c'était le conseil, la salle du conseil, les fonctionnaires col blanc de la ville. Il y avait un poste de police de l'autre côté. Le poste de police de Jean-Cartier était un petit peu adjacent à ça, et vous aviez la caserne des pompiers qui est encore là aujourd'hui. Jean-Cartier, à la base, c'est de la misère, de la pauvreté, de la violence, de la criminalité au début. Mais je dirais que dans tout ça, il y avait du bon monde. Du très bon monde. OK? Du monde peut-être moins chanceux que nous. Ils n'ont pas eu facile. Donc on peut les qualifier de pionniers.